Et c'est parti. Alors, là, on l'a déjà fait, hein, c'est comme d'habitude. Ça va être, ici, on travaille avec les deux ceintures, c'est le même exercice que d'habitude. Attention. Top, c'est parti. Pour le premier, je suis ici, c'est piétiné. Et on fait ouvrir, fermer. Allez, c'est parti. Si je veux au bout, je peux changer de direction. Si je veux pas le faire en arrière. Allez, suivant, on a déjà fait un pied sur une ligne, et deux pieds, un pied, 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 un pied. Ok, on se met de côté, allez, tac, et on fait, et là, c'est toujours le pied droit qui part en premier, le pied gauche qui le rejoint, sauf quand on recule, c'est l'inverse. On part avec l'autre pied devant, d'accord, c'est le gauche qui est devant et le droit qui rejoint. On rappelle, on va prendre les catagourmands et ces déplacements-là dans le catagourmand. Comme on va le faire des deux côtés aujourd'hui, donc ce serait bien d'avoir automatisé le déplacement.
ici, on fait marcher, d'accord. Donc marcher, je suis là. Je fais tac, tac, tac. Comme si je marche, d'accord. Et j'accélère. Mais je vais me tromper, évidemment. Je pars ici, je me décolle. J'arrive au bout, je change de sens. Je change de côté, comme ça je peux lire en même temps. Je crois que j'ai oublié. Ouais, non, c'est bon, j'ai oublié personne. Ok, j'arrive ici, je mets mes pieds joints. Allez. Chaque fois. Je vais chercher les ponts à droite là, les ponts à gauche là. J'essaye d'être le plus piégeois possible. Ok, on fait un rail. Tac, 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 je fauche. Pareil de l'autre côté. Tac, tac, je fauche. Tac, je fauche. Tac, tac, je fauche. 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 Je fauche. Cette fois, c'est pied devant, pied dedans. Pied devant, pied dedans. Devant, pied dedans. Pied dedans. Pied devant. Pied dedans. Pied dedans. Pied dedans, pied dedans, pied dedans, pied dedans, pied dedans. Oh, je me suis trompé. J'ai perdu l'équilibre. Mais c'est pas vrai. Ok.
Allez, on range les ceintures. Hop, on a plus besoin. Je vais commencer à prendre le matériel dont j'ai besoin. Tac, tac, rouler ça. Alors aujourd'hui, les nouveaux exos. Donc le premier, ça sera, ça ressemblera à ce qu'on a déjà fait, mais ça va être en bas. Donc je suis un peu écarté et je tire mais vers le bas, comme ceci, d'accord. Je vais enrouler un peu pour que ça soit tout entendu. Clac, clac, c'est une rotation continue, d'accord. Rotation continue, ça sera le premier. Deuxième, c'est abdos gainage. Juste, on se mettra en V, bras et jambes tendus, d'accord. Donc je fais un V, bras et jambes tendus. Après, ça sera squat sac à dos. Je prends mon sac à dos, je vais mettre les épaules, je descends et je saute, d'accord. Donc ça, on n'a pas fait. Corde à sauter, bon, ça vous savez. Pompe avancée reculée, ce ne sera pas dur. Je mettrai en position de pompe, je recule et je ravance jusqu'à quand même, et je recule. Ok. Abdos, jambes tendues, on l'a déjà fait. Sac à dos autour de la tête, on l'a déjà fait. Gainage. Chaise à gauche, on l'a déjà fait. Uchikomi, on l'a déjà fait. Montée, descente de coudes, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Je suis en pompe et je descends et je monte les coudes, on l'a déjà fait, on l'a déjà fait plusieurs fois. Abdoramer, on l'a déjà fait. Sac à dos ouvrir, on l'a déjà fait. Sac au dos droit, gainage droite, on l'a fait. Et il n'y a que le dernier qui est difficile, mais je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un tout nouveau, ça va piquer la jambe, le ischio grave. Allez, on part pour le premier, ça va commencer. Je prends mon élastique, je fais chier un peu sur les jambes, et rotation, je suis parti. Allez, rotation à droite et à gauche, rotation, allez, c'est rapide. Allez, en bas, au bout de la hanche, allez. Abdo-gainage. Donc abdo-gainage, je me mets en V. Je suis ici, je me mets en V. J'appuie ce que je peux. Et je me mets en équilibre sur les fesses. Voilà. Ok, squat sac à dos, je mets mon sac à dos sur mon dos. Aujourd'hui je me le suis bien lesté. Voilà. Ok, je descends, hop, je saute. Je descends, je saute. Je descends, je saute. Je descends, sauter. Descends, sauter. Descends, sauter. Ok,
pied. Gaine à chaise. Hop. On l'a déjà fait. Allez. Et corde à sauter. Ah mais j'ai oublié ma corde à sauter. C'est parti pour vous. Allez, allez, c'est parti. Je touche au fond. Ok. Pompe avec recul. Je mets en position de pompe, hop, et je recule, je monte mes fesses comme les ponts de montagne un peu, je redescends, je ramène, je redescends, ok, abdos jambes tendues. Si je veux augmenter la difficulté, je descends les jambes et quand je remonte tous ensemble. Ok, sac à dos autour de la tête. Je suis fléchi et je suis parti. Thank you.
Ok, gainage sur le côté. Avec la chaise. Hop. Hop. On met sur le côté. Et c'est parti. Ok, petit commis élastique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez? Il pense au deux têtes de chim, routez ce que vous voulez. Si au moins que ça tourne. Montée et descente de coude. Je me suis en position de pompe. Je descends et je remonte. Ok, abdorameur. Sac à dos ouverture à droite et à gauche. Ok, gainage à gauche.
Ok, pour le dernier, c'est plus compliqué. Je me mets sur mon tapis. Les deux pieds sur la chaise. Je lève un pied, je le tends. Et là, je vais mettre mes mains sur la poitrine. Je descends les fesses et je les remonte. Normalement, ça doit piquer grave à l'ischio. Vous baissez les fesses et remontez. Les fesses, c'est toujours armées par terre. Pareil, je m'appuie sur la chaise. Ok, avec les deux pieds, je lève une jambe et je vais descendre les fesses. C'est les fesses qui descendent, qui remontent. Les mains ne touchent pas par terre, les fesses ne touchent pas par terre. Maté, 2 minutes de repos. Avant ma chaîne elle se barre, il faut que je la cale. C'est pas arrivé. C'était exolé, le dernier il est super dur, c'est moi que j'ai mis à la fin. Les disques normalement ils brûlent. J'espère que vous avez pu voir et arriver à le faire. Parce que il est pas facile au début à comprendre, mais allez, d'enfer. Vous avez vu, chaque cours, j'essaie de rajouter de nouveaux exos que vous pouvez faire chez vous seul. Hein, si on ne rajoute pas beaucoup, à chaque fois un ou deux nouveaux, pour que vous essayez de les faire chez vous après, si vous voulez reprendre. Donc... voilà. Allez, une petite minute. Ah, je vais reprendre mon élastique, ça va reprendre. Je rappelle, comme si je ramais les jambes écart à droite à gauche. Allez, c'est parti. Allez, j'ai mis du rythme. Allez, le plus rapide que je peux, droite-gauche. Allez.
nage à dos. Je rappelle, on essaie de se mettre en V. Hein, je lève les jambes et je lève les bras. Je suis en V. Le plus possible. Ok, squat sac à dos. Je le porte, squat sur des sacs à dos, je mets sur mon dos. Allez. Allez, on est parti. Ok, tiens la chaise classique. Allez, c'est parti. Corde à sauter. Ah merde, j'ai mon pied coincé dans la chaise, c'était pas prévu. Ah, corde à sauter. Allez, c'est parti. Ok, monter et descendre sur les mains pour les et monter les fesses. Version pompe, je ramène les mains, je redescends les mains. Yeah.
deux jambes tendues. Si vous n'oubliez pas, si vous voulez vous osciller, vous descendez les jambes et vous remontez tout d'un coup. Hein, cherchez loin. Ok, sac à dos, on fait tourner autour de la tête. Je vais fermer si la bouteille va sortir. Allez, gainage à droite. Allez, je glisse. Uchikomi, la technique que vous voulez, juste c'est la vitesse qui compte. Montez, descendez de coude. Yeah.
Ouverture sac à dos. Une fois à droite, une fois à gauche. Gainage à gauche. Ok, ischio pour le dernier. Je vais me mettre là pour que vous voyez mieux ce coup-ci. Hop. Hop, les bras ici. Le pied, et là je descends que les fesses. Ok, même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Deux petites minutes de pause. Alors moi j'ai pas rangé le matelas parce que je vais m'en servir tout à l'heure. Je vais le laisser par là.
Ok, donc aujourd'hui on travaille 4 tabourements, je rappelle. Donc on va travailler avec l'élastique, on va travailler le katagourma jambes d'écart là, et le katagourma à genoux. C'est pour ça qu'il faudra le petit tapis à nouveau. Je monte vite fait. Je rappelle, on s'imagine qu'on a la manche là et le bras ici, d'accord? Je suis à distance et sans perdre la distance, je vais faire ouvrir, ouvrir, ramener, tasser, d'accord? Donc là, je suis là, pied devant droit, ouvrir, ramener et emmener dedans. Et après, on le fera à gauche, d'accord? La même chose, il faudra changer les bras de place. L'important, garder toujours l'élastique tendu. C'est le plus important, c'est comme si je le tracte. Hein. Allez, la pression, c'est parti. La même à gauche, je change de côté, je change de pied, c'est la même chose, d'accord? Je suis là, ouvrir, descendre, ouvrir, descendre, c'est parti, hein? Gardez toujours les équilibres, toujours tracter l'élastique. Hein. Ok. Alors, on va essayer de mettre le tapis. Si vous voulez, vous pouvez même le doubler. Pour une petite épaisseur là. Voilà. Ok. Là, c'est la même chose. Je suis garde là, là, d'ici, d'accord? Mais au lieu d'aller chercher sur une ouverture grand écart pour faire chuter, je vais essayer de pivoter complètement. Donc, il faut que je garde l'élastique tendu, d'accord? Que j'avance en gardant l'élastique tendu, que j'avance et que je me pose. Ok? Toujours l'élastique tendu. C'est important. Hein? Donc, je suis ici, j'ai l'élastique tendu, j'avance. Je ramène l'autre pied, je me pose et je serre. Voilà. Pour qu'il aille sur moi. Il va chuter là. Et s'il fait un ras, je ferai chuter là-bas. Allez, attention. Toujours la scie tendue, je ramène et je descends. Ouvrir la scie tendue, je ramène et je descends. Ouvrir la scie tendue, je ramène et je descends.
ouvrir l'élastique tendu, je ramène, je descends. Gardez l'élastique tendu. Ouvrir l'élastique tendu, je ramène, je descends. Toujours ouvrir, ramener, descendre. Quand je sens bien, j'accélère. Moi, quand mon tapis se promène. La même à gauche. Hop, je suis là. C'est pareil. Élastique tendu. Je ramène, je descends. Voilà. Élastique tendu, je ramène, je descends. N'oubliez pas les mains, c'est une dedans et une dehors. Hein. Allez, c'est parti. J'enlève mon tapis et on va faire un petit shadow pour faire plaisir à Paul. Pensez sur le shadow, essayez de grouper des katagumas, pas à genoux parce que vous faites mal au genou sur le carrelage, mais sur les déplacements ici là, il faut le faire, d'accord. Je pars là, je m'imagine que je suis là, tac tac, on a vu la combi, je suis ici, je rentre du ponko. Il enlève son pied, j'attrape, je passe là, c'est la même. D'accord? Tout ça, il faut le faire. Hein? Allez, soyez créatifs sur le shadow. Allez, maté.